Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau programme de la chaîne The Easiest Way to Learn Languages. Dans ce nouveau programme, on va consommer comme matière première un autre sujet important et facile, c'est le thème de l'alphabet français. C'est l'une des assises importantes de la langue française. Alors, le titre de notre cours d'aujourd'hui, c'est l'alphabet français. Maintenant, je vais écrire le titre de notre leçon d'aujourd'hui en langue et littérature française. Mes amis, le titre de notre cours d'aujourd'hui, c'est l'alphabet français. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, ou je vous enseignerai, l'alphabet français que je vais écrire maintenant sur notre tableau, sur le tableau. Oui, mes amis, voilà, j'ai écrit l'alphabet français que je prononce maintenant. Je vous les prononce pour les apprendre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je répète, je les prononce pour une deuxième fois, comme ça vous apprenez à les prononcer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant qu'on a vu l'alphabet français, l'étape qui vient maintenant, c'est de savoir comment écrire l'alphabet français parce qu'il y en a deux types d'écriture, les minuscules et les majuscules. Maintenant, je vais effacer le tableau et je vous ferai voir comment on écrit l'alphabet français en majuscules et en minuscules. Premièrement, on va voir l'écriture en majuscule. L'écriture 10 caractères français en majuscule.
caractères français, ni lettres de l'alphabet français en majuscule. Je vais les écrire maintenant en majuscule. Ok, mes amis, je les ai écrits. J'ai pas d'espace sur le tableau, mais ça compte rien. C'est pas grave. Maintenant, je vais les prononcer pour la première fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je répète, je le prononce pour la deuxième fois. Comme ça, vous apprenez à prononcer les lettres ou l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ça, c'est la première écriture. C'est les majuscules de la langue française. Oh, le gros caca. Pardon. Le gros caractère. Les majuscules. O, le gros caractère. Maintenant, on va voir une autre écriture, de la langue française. Celle-ci, c'est les minuscules. C'est le petit caractère, c'est des lettres minuscules. Maintenant, je vais effacer le tableau et je vais écrire les lettres ou le caractère ou les caractères français en minuscules. Ok, mes amis, les minuscules de la langue française, on les écrit comme ça.
Ok, mes amis. Les caractères, pardon, l'alphabet français, les caractères minuscules. C'est pas grave. Je vais les prononcer maintenant, les minuscules de la langue française. Minuscules. Ok. Je vais les prononcer maintenant. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je vais les prononcer pour une deuxième fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. U, V, W, X, Y, Z. Ok, mes amis, maintenant qu'on a vu l'écriture, comment on écrit l'alphabet français, on va à une autre étape, c'est la division des lettres O de l'alphabet français. Parce que on a des consonnes et des voyelles. On va voir les consonnes et les voyelles, ou bien les voyelles et les consonnes de la langue française. Comme vous le savez, la langue française se compose de 26 lettres ou de 26 caractères, dont 6 sont des voyelles et 20 sont des consonnes. Maintenant, je vais vous expliquer, après que je fasse le tableau, comment on divise les caractères français en voyelles et en consonnes. Je vais vous expliquer avec un schéma clair. Maintenant, j'y passe le tableau. Ok, maintenant je vais diviser les caractères de la langue française en voyelles et en consonnes. L'alphabet français, voyelles, alphabet français, consonnes. Les voyelles de la langue française sont, comme j'ai dit auparavant, six lettres qui sont A, E, I, O, U, I, Y. A, E. Ce sont six lettres qui sont A, E, I, O, U, Y. Je les prononce pour une autre fois, A, E, I, O, U, Y. A, E. Le reste de l'alphabet sont des consonnes. Les consonnes sont P, C, D, F, G, H, J, K,
Ok, le reste sont toutes des consonnes que je prononce maintenant. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, pardon, X, Z. Maintenant, je récapitule un tout petit peu. L'alphabet français sont 26 caractères ou 26 lettres. On les divise parce qu'il y en a des voyelles et des consonnes, des voyelles et des consonnes. Des voyelles sont 6 caractères ou 6 lettres qui sont A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Les consonnes, le reste, toutes sont des consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Maintenant qu'on a vu, qu'on a divisé l'alphabet français, que je vous ai appris les voyelles et les consonnes de la langue française, maintenant on va passer à une autre étape, c'est celle de l'alphabet phonétique international de l'alphabet français. Maintenant j'efface ce tableau et je vais vous expliquer l'alphabet phonétique international. Mais avant, je vais vous donner une petite signification de l'alphabet phonétique international. Je vais vous donner une signification de comment on prononce les lettres de la langue française. C'est ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international. L'alphabet alpha. L'alphabet phonétique international, c'est une discipline linguistique profonde que ne peut pas maîtriser dans un court terme. C'est une discipline qui a pour matière première l'étude des sons, comment on prononce les termes. C'est une discipline linguistique qui étudie les sons de la langue. De la langue française, parce que on est en train d'étudier la langue française. Mais l'alphabet phonétique international, il est international parce que toutes les langues l'utilisent. C'est un système linguistique de la phonologie qui étudie les sons. Aujourd'hui, on ne peut pas naviguer. Mais on va étudier seulement le son ou la phonétique internationale des 26 caractères de la langue française. Parce que c'est
C'est une science profonde qu'on ne peut pas maîtriser dans un cours ou deux, ou trois, ou un an. Même un an, on ne peut pas étudier la phonologie. C'est comme la lexicologie, c'est comme la syntaxe. Maintenant, j'ai donné une petite signification de l'alphabet phonétique international. C'est une discipline linguistique qui étudie le lissant de la langue. Ok, maintenant, on va étudier seulement les sons de l'alphabet français, des 26 lettres. Dans le futur, je vous enseignerai la phonologie, la phonétique. C'est une discipline comme la grammaire. On ne peut pas la maîtriser dans un court terme. Maintenant, je vais effacer le tableau et je vais vous faire étudier les sons des 26 caractères de langue française. Ok, mes amis, c'est la dernière étape de ce cours d'aujourd'hui, mais c'est un peu long, hein. C'est pas facile. Maintenant, on va étudier les sons. La lettre A, dans la langue française, le son, parce que toujours, si on va au dictionnaire à chercher un mot, on trouve les sons entre crochets. Toujours, le son d'une langue, on le met entre deux crochets. A, c'est toujours un A, mais entre deux crochets. Le symbole phonétique de A, c'est toujours un A, mais entre deux crochets. Toujours. Un A. A est toujours A. La lettre B, le symbole phonétique de la lettre B, c'est comme ça, B, mais entre deux crochets, toujours entre deux crochets. C'est la combinaison de deux sons qui sont b, le son b et le son e. Le son e. Et nous donne la lettre b. C'est une liaison entre deux sons qui sont b et e, même si il n'est pas écrit ici, mais dans la phonétique ou la phonologie, on l'entend. Ce qu'on entend, on l'écrit entre. C'est la phonétique. Alors, B, le symbole phonétique de B, c'est comme ça, entre deux crochets, combinaison entre deux sons, qui sont B et E, et nous donne la lettre B. C, le symbole phonétique de C, c'est comme ça, c'est une liaison entre deux sons qui sont S et E. Toujours entre deux crochets, il nous a donné la lettre C. C'est une combinaison, une liaison entre deux sons. Si vous remarquez un tout petit peu, C et E,
C'est une liaison, une liaison entre C et E, et nous a donné la lettre C. D, c'est comme la lettre B. Le symbole phonétique de D, c'est comme ça, D. Pardon. D, c'est comme ça. Si tu lis en... entre deux sons, D. Et nous avons normalement la lettre T. Voilà, je récapitule un tout petit peu. Le symbole phonétique de la lettre A, c'est A. La prononciation, on la met toujours entre deux crochets. A, B. Le symbole phonétique de B, c'est celui-ci, entre deux crochets, combinaison entre deux sons qui sont B, I, E, et nous a donné la lettre B. C, le symbole phonétique de C, c'est comme ça, entre deux crochets, une liaison entre C, I, E, et nous a donné la lettre C. D, le symbole phonétique de D, c'est comme ça, une liaison entre le son D, I est et nous a donné la lettre D. Maintenant, j'y passe au tableau et je continue à expliquer comment on prononce l'alphabet français. Ok, mes amis, maintenant, on est arrivé à E. Le symbole phonétique de E, c'est comme ça. Entre deux crochets, c'est un, c'est comme... Un E renversé. Toujours le symbole phonétique de la lettre E, c'est un E renversé. Ça ressemble à un E renversé. F, le symbole phonétique de F, c'est comme ça. F, c'est une combinaison. Combinaison de deux sons qui sont E, même s'il n'est pas écrit ici, parce que celle-ci c'est une lettre, celui-ci c'est un son. Même s'il n'est pas marqué E, on l'entend. E, F. C'est une combinaison entre deux sons, E, F. Et normalement, nous a donné la lettre F. G, le symbole phonétique de G, c'est comme ça. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. G. Normalement, c'est G. G et E. Et nous a donné G. C'est une liaison entre deux sons qui sont G. Et nous a donné G. H, c'est un peu bizarre. Le symbole phonétique de H, c'est comme ça. A. Celui-ci, c'est un peu bizarre.
un symbole bizarre, mais c'est comme ça, c'est son symbole phonétique. C'est une combinaison. De deux sons qui sont A, CH, A, E, CH, et nous a donné la lettre H. Maintenant, rapidement, je récapitule. E, le symbole phonétique de E, c'est comme ça, toujours entre deux crochets, comme un E renversé. Renversé, le contraire de celui-ci. F, le symbole phonétique de F, c'est comme ça. C'est une combinaison entre deux sons qui sont E, F, et nous a donné la lettre F. G, O, G. G, le symbole phonétique du G, c'est comme ça. Entre deux crochets, une liaison entre G, I, E, et nous a donné la lettre G. H, H, le symbole phonétique du H, c'est comme ça. Une combinaison entre la lettre A, c'est pas la lettre, le son A, et C, et nous a donné la lettre H. Maintenant, je vais effacer le tableau et je continue à expliquer. Ok mes amis, on est arrivé à I, I, J, K, L, M, N. Ok. Le symbole phonétique de I, c'est comme la lettre A, toujours I. La lettre G, c'est comme G. G, celui-ci, c'est J. Comme ça. Le symbole phonétique de J, c'est comme ça. J avec un I. Une liaison entre deux sons qui sont G. O, G, I. Non, c'est ici, je, entre crochet et I, et nous a donné, normalement, automatiquement, la lettre G. K, le symbole phonétique du K, c'est un peu différent. K, comme ça. Non, pardon, K. C'est normal, un K normal, voilà. C'est une combinaison de deux sons qui sont K et A. K et A. Et automatiquement, nous avons la lettre K. L, N, c'est comme M, E, L. Le symbole phonétique de L, c'est comme ça. C'est une combinaison entre deux sons qui sont E, L. Et automatiquement, nous avons la lettre L. M, le symbole phonétique de M, c'est comme L, M, M, une combinaison ou une liaison entre deux sons qui sont E, M. Le symbole phonétique de N, c'est N. N, c'est comme M. N. C'est une liaison entre deux sons qui sont E,
pardon, N. Et nous avons donné la lettre N. Comme auparavant, je récapitule directement, pardon, rapidement, I, le symbole phonétique de I, c'est I, toujours un I, c'est comme la lettre A. J, c'est une liaison entre deux sons qui sont J, I, et nous donne automatiquement la lettre J. K, c'est une liaison, le symbole phonétique du K, c'est celui-ci, une combinaison entre deux sons qui sont K et A, et nous a donné la lettre K. L, le symbole phonétique de L, c'est comme ça. C'est une combinaison entre deux sons qui sont E et L. Et nous avons donné automatiquement la lettre L. M, M, c'est une liaison entre deux sons qui sont E et M. Et nous avons donné la lettre M. N, c'est une combinaison entre deux sons. Ou le symbole phonétique de M, de L, pardon, et celui-ci entre deux crochets. C'est une liaison entre deux sons qui sont E et N. Et nous a donné automatiquement la lettre N. Maintenant, je continue et je passe au tableau. Ok mes amis, je suis arrivé à O. O, P, Q, R, S, T. On s'arrête à T. Ok, le symbole phonétique de O. Le symbole phonétique de O, c'est toujours un O. C'est comme A et I. C'est comme le son A et I. Toujours. Toujours un O. Le symbole phonétique de B, c'est comme B, c'est P. Le symbole phonétique de P, c'est comme ça, entre deux crochets. C'est une combinaison, une combinaison. C'est une combinaison entre deux lettres, entre deux sons, P et E, et nous a donné automatiquement la lettre P. P, E, E. Le symbole phonétique de Q, c'est un peu bizarre, mais c'est son symbole phonétique, c'est comme ça. Q, c'est une combinaison entre deux sons, pardon, deux sons qui sont K et U. K, K et U. Celui-ci, c'est le symbole phonétique de U. Q. Q. Le symbole phonétique de Q, c'est celui-ci, entre deux crochets. Une combinaison, c'est une liaison entre deux sons qui sont K et U, il nous a donné automatiquement la lettre Q. R, c'est comme M, N, R. R, le symbole phonétique de R, c'est comme ça. R, entre deux crochets, c'est une liaison entre deux sons qui sont E, et nous donne automatiquement la lettre R. C'est une combinaison entre deux sons qui sont E, E, R, et nous a donné la lettre R. S, c'est comme la lettre R. S,
Le symbole phonétique de S, c'est comme ça. C'est une combinaison, une liaison entre deux sons, qui sont et S. Et nous avons automatiquement la lettre S. T, c'est comme B, c'est comme C. T, c'est comme ça. Le symbole phonétique de T, c'est comme ça. Une liaison entre deux sons qui sont T, T et E. Et nous avons automatiquement la lettre T. Maintenant, je récapitule. Le symbole phonétique de O, c'est toujours un O. Le symbole phonétique de P, c'est une combinaison entre deux sons qui sont P, I, E, et nous avons donné la lettre P. Q, le symbole phonétique de Q, c'est comme ça, une combinaison entre deux sons qui sont K et U, nous avons donné la lettre Q. R, c'est comme M, N, se compose de deux sons qui sont E et R, E et R, et nous avons donné la lettre R. S, c'est comme R, se compose de deux sons qui sont E et S, et nous avons donné la lettre S. T, comme PC, se compose de deux sons qui sont T et E, et nous avons donné la lettre T. Maintenant, j'efface le tableau et je continue. Et je continue notre leçon. Ok, nous sommes arrivés à la lettre U, V, W, V, X, Y, Z. Ok, le symbole phonétique de U, c'est comme ça, entre deux crochets. C'est toujours, c'est comme la lettre A et I. U, le symbole phonétique de U, c'est comme ça. Toujours. Un I. C'est comme Y, mais ce n'est pas Y, c'est le symbole de U. C'est le symbole de U, ce n'est pas Y. Ok, V, c'est comme B, C, V, V, le symbole phonétique de V, c'est comme ça. C'est une liaison entre deux sons qui sont V et E, et nous a donné la lettre V. V. Et nous avons automatiquement la lettre V. W, W c'est un peu spécial. Je l'écris comme elle est écrite dans les livres de la phonétique ou de la grammaire. Le symbole phonétique de W, c'est comme ça. Le symbole phonétique de X, c'est comme ça, X, se compose
se compose de trois sons. Trois sons, même si on ne les prononce ici, ça c'est la phonétique, on les prononce. On écrit ce qu'on prononce. Ce qu'on prononce, pardon. X se compose de trois sons qui sont I, K et S. Se compose de trois sons qui sont I, K, S et nous avons automatiquement la lettre X ou le caractère X ou l'alphabet X. Y, c'est comme W, comme il est écrit dans des livres de la phonologie ou de la phonétique. Le symbole phonétique, son symbole phonétique, c'est comme ça. Aigu. Rec. Y. Z comme X. Le symbole phonétique de Z, c'est comme ça. Z. Se compose de trois sons qui sont Z et T. Z et T. Maintenant, mes amis, je vous récapitule un petit peu, je vous explique pour la dernière fois. U, le symbole phonétique de U, c'est toujours un U. Celui-ci, c'est le son, c'est pas Y, c'est le son. V. V c'est comme B, c'est une liaison entre deux sons qui sont V et nous avons V, la lettre V. W, comme il est écrit dans 10 livres de la phonétique, W. X se compose de trois, le symbole phonétique de X c'est comme ça, se compose de trois sons qui sont I, K, S et nous avons la lettre X. Y, comme W, comme il est écrit dans 10 livres de la phonétique Y. Z se compose, le symbole phonétique de Z c'est comme ça, se compose de trois sons qui sont Z et T et nous avons la lettre Z. Maintenant, j'ai fini d'expliquer comment on prononce l'alphabet français. Maintenant, j'efface le tableau. Ok, mes amis, notre leçon est finie. Le cours d'aujourd'hui est fini. Mais avant de conclure, je vous donne le schéma ou le plan de notre prochaine leçon de la chaîne The Easiest Way to Learn Languages. Alors, le titre de notre cours, de notre prochain cours en langue et littérature française, c'est les chiffres en français. C'est les chiffres de la langue française. Avant, comme toujours, comme d'habitude, je vous demande, si ce vidéo vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à abonner dans la chaîne The Easiest Way to Learn Languages et de marquer un like. Merci beaucoup et à la prochaine.